y a des choses à dire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut rester jusqu'à la fin pour avoir pas mal de petits détails et surtout voir ce que ça donne avec le diorama que j'avais fait en avance pour cette figurine. J'ai donc fait une petite commande encore une nouvelle fois chez Jap&Co. Voilà, merci encore une fois aux frères Barrette. Et en plus de ça, j'ai eu deux petits cadeaux qui accompagnent parfaitement le contenu du colis qui était de base. Et franchement, ça fait super plaisir. Je vais vous présenter ça avant la figurine. Et après, on va vraiment passer au petit débat de cette petite freezer. Premier petit cadeau et je suis vraiment vraiment content. Déjà je pensais avoir un simple cadeau, j'avais essayé de demander quand même avoir quelque chose par rapport avec Freezer et je pensais pas avoir deux petits cadeaux. Et là aujourd'hui nous sommes sur une petite serviette, donc je l'ai pas encore déballée. Nous sommes sur une petite serviette Freezer, vraiment vraiment stylée et merci beaucoup, voilà c'est parfait. Elle est magnifique, je la trouve vraiment sublime. Qu'est-ce qui est marqué ici? Je sais pas trop ce qui est marqué, mais en tout cas la serviette elle est vraiment sublimissime. Elle représente totalement Freezer en forme finale, j'ai bien l'impression. Et franchement elle est sublime, on n'a même pas l'impression que là c'est une serviette, mais c'est en effet une serviette. C'est juste insane. Je vais tout de suite vous présenter le deuxième cadeau qui est aussi magnifique, vous allez le voir. Voilà, alors deuxième petit cadeau et ça va totalement, vraiment, ça accompagne parfaitement avec la figurine parce qu'en fait, c'est une sorte, alors je sais pas trop comment ça s'appelle au Japon, mais c'est une sorte de poster plastifié à l'image de Golden Freezer avec Vegeta et Son Goku, Back to the Film, voilà, comme vous pouvez le voir ici, et c'est juste magnifique. Alors j'avais juste vu une vidéo où Marty en parlait, parce que je crois qu'il en avait commandé plutôt pas mal, ou acheté plutôt pas mal, et justement il parlait du support blanc qui ne rendait vraiment pas très très bien avec, avec ce genre de mini poster, j'ai envie de vous dire. Et je suis totalement d'accord avec lui parce que ça, je sais pas, ça bloque une partie de l'image et à la fois le blanc ne va absolument pas du tout avec ce genre de petite affiche. Donc je suis très très heureux, je vais certainement le mettre juste derrière la figurine qui sera présentée avec le petit diorama. Encore merci à vous. Et nous passons donc pour la figurine de Golden Freezer, voilà, Back to the Film. Pour la petite boîte, et d'ailleurs en parlant de petit, on va beaucoup s'attarder sur la taille aujourd'hui de cette figurine. Je vous le rappelle, elle est au prix de 64,90€ et franchement, malgré que je sache les centimètres, donc normalement c'est du 20-21 cm pour cette figurine, et ben je pensais que proportionnellement parlant, elle allait être un petit peu plus massive. Certes, pas grande, Freezer est pas grand dans l'anime ni dans le manga, mais je pensais qu'il allait être un peu plus massif, donc aller un petit peu s'accrocher avec par exemple une Grandista, une Super Master Star Piece. Mais au final, j'ai été quand même relativement déçu entre guillemets en voyant certains visuels que des internautes ont mis sur internet, sur YouTube, sur Facebook et tout. Et j'ai été quand même relativement déçu, j'ai eu énormément peur parce qu'en fait je voulais tout mettre en œuvre pour que Freezer soit à côté de mon Vegeta et de ma Goku SSJ4 et que ça rende bien. Bon, je me suis quand même rappelé, voilà encore une fois, que Freezer était relativement très très petit comparé même à du Vegeta ou du Goku, donc je me dis que proportionnellement parlant ça va plutôt le faire. Et de toute façon j'avais quand même pris un petit coup d'avance en faisant un diorama un peu plus surélevé que ce que j'ai fait pour Goku et Vegeta juste au-dessus. Donc pour la petite boîte, bah petite boîte qui représente parfaitement cette Freezer avec ce petit terre malicieux en mode je me pose une question ou en mode ah je pensais pas qu'il allait être comme ça, mais au final ça va être plutôt marrant, tu vois, un petit truc un petit peu vicieux et malicieux qui est très très bien représenté sur cette figurine. Voilà, c'est de l'officiel bien évidemment. Donc Back to the Film,
voilà, donc on va regarder un petit peu ce que donne la figurine en vrai de vrai, et c'est parti pour le petit visuel. Encore aussi, hein, je suis un petit peu tatillon sur les bords, mais c'est vrai que certaines figurines sont pas du tout bien prises en photo. Généralement, les figurines comme ça, quand tu les présentes, voilà, tu prends la photo que de la figurine en elle-même. Bon, d'accord. Sauf que d'autres personnes ont mis la Freezer à côté d'une autre figurine, mais un peu plus avancée pour qu'elle a l'air un petit peu plus badass, un petit peu plus balèze et un peu plus imposante. Sauf que ça biaise beaucoup. Moi, ça m'a énormément biaisé. Et pour la petite anecdote, j'avais vraiment pas fait attention à la pose de cette figurine, mais j'étais plus en fait, comment dirais-je, je voulais plus acheter celle qui est comme ça. Si je me souviens bien, et qui est normalement beaucoup plus grande. Je crois qu'elle fait deux fois cette figurine pour je ne sais quel prix, parce qu'au final je ne l'ai pas retrouvée derrière après avoir commandé celle-ci. Mais voilà, je m'étais fié à la base à l'autre figurine. Au final, j'ai vu celle-là en croyant que c'était l'autre, donc je l'ai prise. Et du coup, je me suis pas fié au centimètre qui était marqué sur les sites, parce que forcément, des fois, les sites, ils te disent un nombre de centimètres, mais généralement, c'est soit un petit peu plus grand, soit un petit peu plus petit, comme la Grandista ou la Super Master Star Piece de Goku. J'ai été bluffé de voir comment elle était beaucoup plus grande que ce qui aurait pu être sur les sites ou sur les visuels. Bon, bref, donc nous avons un petit socle vraiment sympathique parce qu'il est transparent, et ça c'est pas souvent qu'on en a un transparent comme ça. J'aime plutôt, j'apprécie fortement. Nous avons la queue de Freezer, et d'ailleurs on va parler aussi des détails qu'il y a sur cette figurine, parce que je trouve qu'elle a été quand même un petit peu, j'ai envie de vous dire, mal faite, dans le sens où il y a beaucoup d'incohérences dans cette figurine, et vous allez comprendre pourquoi. Bon, déjà, je sais pas trop on est sur quoi. Je pense qu'on est sur du plastique, donc ça j'apprécie pas forcément au niveau de la queue. Bon, il y a des petites rayures pour dire voilà que c'est plié, tout ça, c'est un petit travail avec cet effet doré de Golden Freezer, bien évidemment. Et là, nous allons passer de suite à la figurine, et c'est là où je trouve c'est vraiment un... Il y a d'énormes choses qui me paraissent ahurissantes pour moi. C'est notamment la différence de couleur qu'il y a entre le buste et le bas des jambes. On peut voir que les jambes sont beaucoup plus dorées, c'est un effet beaucoup plus jaune doré. Et là, ici, on a un doré beaucoup plus pâle sur le buste, et j'ai pas compris pourquoi. Et en plus de ça, on voit clairement, comme c'est mal fait, c'est même dégueulasse, et je suis même déçu d'avoir mis ce prix là pour acheter cette figurine, parce que regardez les jointures, c'est écœurant, on le voit de partout, derrière et tout, c'est écœurant. C'est pareil pour les épaules, c'est des jointures qui normalement n'auraient pas dû se trouver là. Alors pour la tête, c'est pareil, le derrière de la tête, mais voilà, restez surtout sur cette vidéo parce que je vais vous présenter justement cette figurine à côté de d'autres figurines de dimensions différentes. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment avoir un rendu et vous rendre compte de la taille qu'elle fait. Hein, parce que vraiment, sur les vidéos et sur les photos, on ne se rend pas du tout compte, parce que les personnes ne savent pas mettre en place les choses et montrent cette figurine comme si elle était insane. Alors que regardez, on dirait un Oscar en vrai. On dirait un Oscar de ouf. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été un peu bâclées sur cette figurine, notamment les jointures et la colorisation. C'est fortement dommage. Bon, après, sur le crâne, voilà, le violet qui est vraiment bien fait, sur tous les petits patchs aussi. Les pieds qui sont énormément bien faits, j'ai apprécié la colorisation. Même le dessous est travaillé, donc ça, c'est plutôt cool. Il a des bonnes cuisses, il a des bons bras aussi. Il est fit, il est carré, mais il est fit. L'air malicieux qui est bien présent, avec les yeux qui regardent bien au même endroit, et ça fait énormément plaisir. Au niveau des doigts, nous avons pas des doigts qui sont collés ou c'est un effet pâté, donc franchement plutôt pas mal. De toute façon, restez, vous allez avoir un visuel où vous verrez
parfaitement les détails. Et puis au niveau de la bouche, c'est pareil, c'est relativement bien fait. Les oreilles aussi, la forme de la tête qui est vraiment très globuleux, on a l'impression qu'il a vraiment le melon ce Freezer. Mais franchement, très très bon au rendu. On va passer tout de suite aux petites informations qu'il y a pour cette figurine, par qui ça a été fait, le prix, etc, etc. On va monter tout ça et on va vous montrer ça sur un petit diorama à côté de d'autres figurines. À tout de suite. Donc voilà, la figurine est montée, pas de difficulté à mettre la queue, mais on voit encore une nouvelle fois l'écart qu'il y a, la jointure. Alors autant ce côté là c'est relativement pas très voyant, mais à l'autre côté c'est énormément voyant. Je suis un peu tatillon, je vous l'accorde, puisque dans tous les cas on va pas la mettre comme ça, hein. On va pas regarder le cul de Freezer à longueur de journée, on va la placer comme ça, ça va toi. Et donc pour cette figurine du coup, Back to the Film, figurine Golden Freezer lot E. Donc c'est d'une la marque Bandai, matière PVC, taille 20 cm et date de sortie le 09/2021 pour 64,90€. Alors PVC, déjà c'est sûr que la queue elle est pas en PVC. Après la figurine en elle-même, pour la taille qu'elle a, c'est vrai qu'elle est relativement un peu lourde. Donc autant les jambes, je pense que c'est pas du PVC. Autant le buste, j'ai plus l'impression que c'est du PVC, c'est froid, c'est beaucoup plus froid que le bas, j'ai l'impression que c'est plus du plastique. Avec la tête, hein, ouais, mais de toute façon ça se voit, au niveau de la colorisation, ça se voit parfaitement que le buste et la tête vont pas du tout avec les couleurs des bras et des jambes. Et c'est là où on remarque que du coup c'est pas du tout la même matière, puisque le buste et la tête, je pense que c'est PVC, mais tout le reste, je pense que c'est du plastique ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, regardez, on peut vraiment jouer avec la queue, c'est pas très ouf. Et en plus, la finition de la queue au bout est vraiment pas terrible. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de points négatifs sur cette figurine, mais le rendu en lui-même est plutôt pas mal. C'est vrai que moi, je suis un gros fan de Freezer. Et le rendu est plutôt pas mal. Après c'est vrai que pour le prix, j'aurais préféré avoir un Freezer un tout petit peu plus imposant. Je te dis pas qu'il fasse 5 cm ou 10 cm de plus, mais avoir une proportion un peu plus balèze. Après c'est vrai que du coup ça aurait défoncé son look un peu fit, et je pense que ça aurait tout déglingué. Mais après du coup, peut-être avec quelques centimètres en plus et la proportion qui va avec, ça aurait été mieux. Mais en tout cas, voilà, je suis déçu sans être déçu, parce que je suis quand même content de l'avoir. Et puis c'est parti pour le petit visuel. Le mieux est quand même de vous le présenter de cette forme là voilà, j'ai mis le petit la petite affiche juste là bas parce que ça n'arrivait pas à tenir. C'était un petit peu mal mis dans le carton, du coup ça tient pas tout droit. Et là, voilà le petit rendu avec cette Freezer et ce Vegeta et ce Sangoku. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. On voit pas trop la différence avec le décor. Et c'est ce que je voulais. Voilà, voilà.
cette petite Golden Freezer qui pour moi a été une petite déception malgré que je sois content de l'avoir. Et j'espère que ça vous aura bien montré en tout cas comment elle est représentée et surtout à côté des figurines. D'ailleurs, je vais vous le faire après en plus du visuel. Je vous fais plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi. Pouh.